Voilà, salut à toutes et à tous, bienvenue sur commentdevenirphotographe.com, le site qui vous permet de vous révéler en tant que photographe et de passer de simples clichés à de véritables œuvres d'art. Donc on va revenir sur mon voyage en Inde, et notamment à Delhi, où moi je m'éclate en portrait de rue. Voilà, j'avoue, c'est le truc qui me fait kiffer, quoi. J'y vais, je pense qu'à ça, je regarde les gens, et puis j'ai envie d'être en contact avec eux, et puis de faire leur portrait, voilà, comme un petit comme ça, vraiment super rapidement et le mieux possible. Et donc je voulais dans cette vidéo vous raconter, vous montrer un exemple concret de comment ça se passe. Donc, allez, on regarde tout de suite sur Lightroom. Ben, en fait, cette photo-là, voilà, je suis dans le vieux Delhi. Donc si vous voulez voir la vidéo, bien sûr, il y a une vidéo juste avant qui vous montre un petit peu le contexte, quel matériel j'utilise et comment ça se passe. Et notamment, vous pouvez aussi télécharger les presets, en fait, pour avoir ce type de rendu un petit peu particulier, un petit peu bleuté, un petit peu chaud, un petit peu, voilà, un petit peu désaturé sur certains trucs. Et comme ça, ça vous permettra de voir quel réglage je peux faire au niveau de la retouche après. Mais bien sûr, la retouche, c'est quand on a réussi ces photos en amont. Voilà, on peut les travailler et leur donner sa petite patte perso, quoi. Donc, je voulais revenir là-dessus sur le portrait de rue à Delhi. Donc là, je suis en train de sortir en fait du vieux quartier, du vieux marché. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de circulation. Et puis là, ben, je vais attendre mon taxi qui va continuer à me faire continuer la visite. Et je passe devant ce monsieur qui est en tuk-tuk, un tuk-tuk à pied. On appelle ça un rickshaw. Voilà. Et hop, je vois tout de suite. Alors, j'ai une attitude assez avenante, hein, c'est sûr, parce que je sais que moi, voilà, je suis un petit peu en mode chasseur. Où je vais essayer d'aller comme ça à la chasse au portrait. Et pour voir la chasse au portrait, il ne faut pas avoir l'air d'un chasseur, mais plutôt d'un copain qui se balade. Donc j'ai une attitude très ouverte, je cache jamais mon appareil photo. Et puis j'ai un grand sourire, comme le mec super sympa qui se balade. Et forcément, un sourire, eh ben, ça engendre d'autres sourires. Et c'est la première attitude que je peux avoir. Donc, d'ailleurs, si vous voulez des conseils un peu plus poussés sur comment aborder les gens sans se faire jeter, justement, j'ai mis à disposition un guide spécial. Voilà, vous cliquez dans les liens quelque part par là. Et puis, vous allez voir comment aborder facilement les gens sans se faire jeter. Donc, on vient sur notre portrait. Donc là, on voit bien, je passe sur le côté. Je suis sur le trottoir. Et puis je marche doucement, comme je sais que je vais attendre un petit peu. Oh, j'ai attendu peut-être à peine 5 minutes. Et je continue, et là je passe, hop, juste devant lui. On voit bien, il attend. Il y a plein de monde à attendre ici, en fait, dans la rue. Et puis il a une attitude presque, enfin vraiment même directement naturelle, parce qu'il pose sans poser. Mais il a un sourire sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup ce truc-là, cette pose-là. Au niveau des réglages, donc je suis avec mon 35 mm, hein, parce que je suis en photo de rue, moi. Et donc là, est-ce que je suis recadré? Non, je suis même pas recadré. Donc la distance, eh bien, je suis quoi, à 2 mètres à peu près de lui, je pense, à peu près, ouais. La distance, j'aime bien cette distance-là, parce qu'on a vraiment un contact avec le regard, avec la personne. On est vraiment plongé avec lui, quoi. Et donc là, il y a un vrai contact qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans le portrait de rue. Moi, c'est vraiment ce contact-là. Tout ce qui est fait à la longue focale, bah j'arrive pas à être capté finalement. Il y a beaucoup moins, enfin c'est pareil, c'est un point de vue personnel, mais je trouve qu'il y a moins d'émotions, moins de connexion justement avec son modèle. Donc c'est pour ça que je privilégie le 35, le 50, allez, et jusqu'au 85 maxi. Donc là j'ai mon 35, je passe à côté de lui, je commence à faire un premier portrait, et puis je me dis, tiens, je vais peut-être en profiter pour justement aller changer d'objectif. Là, je vais le faire rapidement et je passe sur le 50. Et on voit bien la différence du 50 et du 35, c'est au niveau, bien sûr, du champ de vision. Là, on est un petit peu plus large. Et puis, il y a un petit peu de déformation, en fait. On voit bien que le visage est là un petit peu déformé. Celui-là, il est un petit peu moins, si vous voulez bien me l'afficher, un petit peu moins déformé. Et le flou d'arrière-plan n'a rien à voir, du coup, là. On va avoir un flou d'arrière-plan beaucoup plus flou, beaucoup plus doux. Et ça crée justement une ambiance un petit peu plus douce, en fait. Là, on peut voir ici, c'est beaucoup moins flou qu'ici. Donc, le 50 mm à grande ouverture, pour moi, c'est un vrai petit bijou. Alors, j'ouvre pas au max. Là, je suis ouvert à f2. Parce que je sais qu'à f2, je vais avoir suffisamment de profondeur de champ.
Le nez est tout juste net, là, le bout du nez, mais je vais au moins avoir les deux yeux. Voilà, je vais... Et puis là, on commence tout de suite à être net. Donc ça, c'est le danger souvent avec les grandes ouvertures, c'est d'avoir un œil net et un œil flou. Et je pourrais vous montrer d'autres photos, mais ça m'arrive souvent. Dès qu'il change, il suffit qu'il tourne un petit peu plus la tête. Donc comme c'est des portraits assez frontaux, donc de face comme ça, ça marche assez avec des grandes ouvertures. Donc je commence à prendre quelques photos et puis j'essaie d'améliorer mon cadrage parce que là il est un petit peu la tête coupée, enfin pas coupée mais un petit peu en bas. Et puis en fait là il commence à s'allumer une cigarette. Et là c'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est je lui dis vas-y fume ta cigarette. Et puis il commence à jouer avec moi, on va jouer ensemble du coup. Et on commence à avoir une attitude, voilà, si vous n'avez pas vu les photos d'avant, on commence à avoir une attitude vraiment sympa où là on se dit tiens... Ça fait un peu le regard un peu plus mystérieux. Là, on voit qu'il y a de la connexion, on voit que c'est qui m'a vu, que c'est un pote. Et puis sur celle d'après, tiens, comment ça se dire, tiens, un peu plus mystérieux. Et là, il joue le jeu, c'est vraiment sympa. Donc j'en ai pris combien là? Quelques-unes. Là, il recrache la fumée. Donc j'en ai pris combien? On va regarder combien j'en ai prises. Donc j'en ai quelques-unes quand même, voilà. Allez, je vous montre tout depuis le début. Allez, petit clin d'œil, j'en prends une autre. Donc ça c'est la prise de vue. Et là, il y a ses potes à côté qui lui disent « Oh là là, tiens, qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il arrête pas de me prendre en photo, c'est rigolo. » Donc, c'est bien, il joue le jeu, il n'y a pas de souci, il rigole. Toc. Et puis là, je vais changer d'objectif, en fait. Il regarde son pote, il ne sait pas trop quoi faire, il est un petit peu gêné. Mais en même temps, flatté, donc c'est sympa. Et là, je commence à changer d'objectif. Ça y est, il commence à être un peu à l'aise, décontracté. Là, je trouve la bonne distance, parce que j'étais trop près, donc je recule un petit peu. Je fais mon petit réglage avec ce qu'il faut. Là, je suis toujours pareil, hein, on voit bien. Hein. Je règle mon expo pour que ce soit ni trop foncé, ni trop clair. Et puis, j'y vais. Je le prends en photo, je lui dis, vas-y, fume. Donc, on a à peu près une vingtaine de photos, là. Et là, j'adore avec la fumée, ce que ça fait. Bon, je vais peut-être la reprendre celle-là du coup. Et je trouve que sa bouche est moins. Voilà, on tire trop dessus, mais j'adore la fumée. Donc voilà ce qu'on peut faire avec comme ça dans la rue, avec un 35, un 50, rapidement. Et puis d'avoir une connexion, d'avoir quelque chose de sympa. On voit bien que son attitude, bah, elle est naturelle. Quoi. Moi j'aurais voulu le faire poser. Je pense que j'aurais pas fait mieux. Quoi. Donc faut savoir que les gens se tiennent naturellement bien. Quoi. Voilà. Donc voilà, donc si vous voulez télécharger le guide pour faire vos premiers pas dans le portrait de rue, eh ben, il suffit de cliquer par là. Et puis pareil, en cadeau aussi, vous pouvez aller télécharger les presets qui vous permettent d'avoir ce rendu vraiment un petit peu particulier. Ok, alors si vous avez des questions sur le portrait, si vous avez des blocages, si vous avez des problèmes à accoster les gens, tiens d'ailleurs, c'est quoi votre plus gros problème pour accoster les gens ou pour faire du portrait de rue, si vous aimez ça, vous n'aimez pas ça. Voilà, donc en tout cas, je suis ouvert à vos questions, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, vous cliquez sur un petit j'aime, ça va aider pour justement le référencement des vidéos et puis pour qu'elles soient le plus vues possible. Et puis, bah, je crois que c'est tout. Et puis, vous abonnez à la chaîne, quoi. Hein? Ok? Allez, je vous dis à plus tard. Et puis, pour des prochaines vidéos concernant mon voyage en Inde, parce que j'ai plein de choses à vous raconter et notamment des trucs incroyables que j'ai vus. Enfin, vous allez voir. Ok? Allez, à plus, ciao!